Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Cetra l'impérissable, l'éveil de Cetra. Alors du coup, Cetra a vengé le roi Markav qui s'était fait déboîter quelques tours auparavant. Voilà, donc ça c'est fait. On a récupéré El-Kalabad et tout ça et tout ça. Et du coup, il va falloir qu'on commence à reconstituer nos armées. On était à la fin du tour. Apparemment, j'ai des choses à fabriquer dans plein d'endroits. Je me demande quoi fabriquer. C'est juste ça, en fait. Donc ça, j'en ai fait un ici. Donc ça donne des chars, machin et tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Ici, on pourrait refaire... On pourrait refaire un de ces bâtiments-là, mais bon, je préférerais le faire ici, à la limite. Du coup, on pourrait faire ça, ce qui nous donnerait de la cave et des serpents, machin, et tout ça, et tout ça. Ce qui pourrait être pas mal aussi. Ah, ici on a déjà des houches à petits. Ah, c'est cool ça. Alors du coup, est-ce qu'on ferait ça? Ou est-ce qu'on attendrait pour faire... Non, je pense qu'on va le faire. Hein. Ce qu'on va le faire, ça nous permettra plus de recrutement. Seulement, j'ai plus beaucoup de trésorerie, donc j'attendrai bien quelques tours. Du coup, on va finir le tour, voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Donc on se prend moins 8, hein, mais c'est parce qu'on a eu des combats violents et que du coup, il y a eu une reconquête sur une re-reconquête. C'est pour ça que l'ordre public est assez violent ici. Mais ça devrait remonter relativement vite. J'ai pas vérifié si j'étais bien sur... Mince, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû vérifier si j'étais bien sur l'ordre public au niveau de l'ordre provincial. Alors, il veut quoi? Un accord commercial? Bah écoute, perso, j'ai aucune vue sur tes montagnes, mon gars. Les montagnes, c'est pas trop un territoire pour moi, donc non, avec plaisir, écoute. Soyons amis, nain! Donc lui, dès que je vais avoir une armée suffisamment costaud, je vais aller me le poutrer pour récupérer le bouquin. Ça va pas traîner. Et donc, fin de notre tour. Donc ici, ce monsieur... Il continue à recruter. Qu'est-ce qu'il peut recruter en local? Des chars... Ouais, mais j'en ai déjà deux, et à la place des chars, je vais préférer... Donc on va attendre. On n'a pas un de nos généraux qui doit revenir ce tour-ci. Donc lui, son armée a bien été annihilée. Donc du coup, on va le re-recruter, ce monsieur. Voilà, on va le rentrer dans Khemri et on va lui redonner donc une armée un peu plus potable, va-t-on dire. Donc, déjà on ne peut pas lui recruter tous ces gens-là. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui recruter ces gars-là. On va lui recruter un de ces gars-là. Ils ont pas un gros bonus de charge. Attaquants mêlés, ils sont pas terribles non plus, eux.
coup, du coup... Donc on va lui recruter aussi des guerriers de Nekara. On va lui recruter quelques lanciers. Et pour le moment, on va commencer avec ça. On va y réfléchir après. En fonction de nos moyens et de ce qu'on va pouvoir fabriquer. Ok, parfait. On est... Donc à Khemri, on va pouvoir faire des Ushapti à grands arcs. L'idée me tente, hein. L'idée me tente. Ici, donc... ici, dans un tour, je pourrais faire mon bâtiment, donc on va peut-être attendre. Et ici, du coup... Ouais, on n'a pas la trésorerie. Pas la trésorerie pour ça. Ok, oui, on a celui-ci qui est en train de se finir aussi, le bâtiment, là. Encore deux tours pour les nécrosphinx. Et du coup, on va prendre les Ushapti à grands arcs. Voilà. Je pense pas qu'on puisse encore construire quoi que ce soit, si. Au grand désert, on peut, oui, mais non. À la terre des morts, oui, mais non. Grand désert. Ah oui, ok. La côte d'Arabie, oui mais non. Et les terres arides du sud, oui mais oui. Du coup ici, on en a déjà fait un. Et ici, du coup... ici j'ai fait des Ushapti. Oui, c'est pas... C'est pas... on a déjà un bâtiment d'ordre public, on a deux bâtiments de revenus générés comme ça. Non, on n'a pas besoin de construire quoi que ce soit ici, on va attendre. Du coup, eh ben... Ok, j'ai 216 Vascanop. Oh, 216 Vascanop, mon gars. Armure plus 5 pour les sphinx de guerre. Capacité de l'unité plus 1 sphinx de Khemri, de guerre Khemri. Durée de construction moins 35 pour tous les bâtiments. Armure 10. Lui il fait quoi? Ajoute le roi des tombes à cache au groupe des seigneurs. Ordre public plus 1, effet de l'aura plus 5, taille de l'aura. Résistance ultime, taux d'imposition. Non, celui-ci me plaît bien. Hein. Bon, en même temps, je vais peut-être attendre avant de le... Non, je vais attendre encore un peu avant de débloquer un nouveau général. On va voir déjà où j'en suis avec deux armées. Servants. On va voir déjà où j'en suis avec deux bonnes armées comme ça. Et, mais par contre, du coup, je suis un peu piégé. Je peux pas vraiment bouger d'ici. Et ici, on peut recruter. Donc ce monsieur-là, il a déjà... quelques bonnes troupes. Ouais, de toute façon, il va lui falloir de ça. Il va lui falloir de ça, il va lui falloir... ouais, un de ces gars-là, on en a pris un.
Donc ça nous en fera deux avec celui-ci, gardien des tons. On a la Légion d'Outre-Monde et on a quelques guerriers de Nehekara. On peut encore en prendre des guerriers de Nehekara. Ah non, les guerriers de Nehekara, c'est fini, hein. On ne peut plus en prendre. Hein. Au pire, on pourra toujours recruter ça. Ou alors un peu de cave. Encore un de ces gars-là, et puis... Déjà, on va voir ce que ça donne. Ok, allez, ici. Ce monsieur recrute. Ok. Ok, au niveau de la diplomatie, on est bon avec tout le monde. Les rois des dunes, Numas, tout le monde s'aime bien. On fait du commerce avec tout le monde. Il y a juste les fidèles de Nagash et les sentinelles. Mais je ne peux négocier avec cette faction. Ah bon. D'accord. Et avec cette faction, je peux négocier, mais j'en ai pas du tout envie. Ensuite, eux, on leur a filé des cibles de guerre. Lui, on lui a filé une cible de guerre. Donc voilà, tout est bien. Ouais, bon, on verra. On verra. Allez, hop, fin du tour. On va voir. Le problème, c'est que ça va nous prendre des tours et des tours de recrutement. Et c'est assez ennuyeux, ça. Parce que comme on est obligé de faire du recrutement... Donc on va continuer à améliorer nos bâtiments militaires histoire de pouvoir obtenir des meilleures unités. Parce que ça commence à devenir un petit peu ennuyeux. Et puis ensuite... On terminera tous ces gens qui nous veulent que du mal. Voilà. Lui, ça va être... Il va falloir calculer le bon moment pour le choper, mais... Le sol tremble, les montagnes frémissent, mais ce n'est pas un séisme. Une wague, ou ça. Oh, mais c'est loin. Oh, mais c'est loin. Alliés mobilisés contre la colonie, savoir déterrer, nouvelle transcription, attaquant mêlée plus 10. Oh, bien ça. Mais ça doit être toutes les factions, donc c'est ça reste moyen. Intrus étranger. Ah bon? Ça. Là, oh mais lui, mais laisse-le, lui. Oh là là, il fait rien. Il se promène, c'est tout. Donc ici, eh bien... Pourquoi j'ai plus qu'un archer ici? Mais c'est quoi cette misère? Il me faut plus des archers là. Merde d'ailleurs du coup... non je vais... Ouais bah si on essaiera de se démerder avec trois archers, on verra. On verra donc ici, dans deux tours on a fini de recruter. Ici donc il va encore nous falloir quelques tours. Hein. Donc on va laisser faire. On est à 4000. Non, il faut 4005 pour améliorer ça. Il faut 5004 pour améliorer ça. Donc ici c'est un peu compromis. Ici. Ici on va faire ça, les mines de puits de cinabre là.
On va réaugmenter ça pour l'ordre public. Quoiqu'on est repassé à plus 11, donc ça devrait aller. Du coup, on va peut-être attendre pour ce bâtiment-là. Celui-ci, 1700, c'est pour des chars et des catapultes. Poste de guet du désert. Et donc, du coup, non, on va garder le reste de notre trésorerie, parce que, oui, ici, on préférerait, je pense, faire des bâtiments comme ça, mais qui coûtent très cher. Donc, du coup, et donc, ici, on est en quoi? On est en ordre public et intégrité. Ok, donc, ça joue aussi, hein, ça aide aussi. Hein. Voilà. Présence militaire, plus ordre, plus bâtiments. Et encore, on n'est qu'à 4 de présence militaire. Du coup, les améliorations, on les zappe. On est à 8 tours de la dernière techno. Ça fait envie quand même, parce que ça voudrait dire pouvoir monter des bâtiments. Ah mais du coup, il y en a deux. Ah non, ça c'est une mine d'or. Et ça c'est une mine de cinabre, d'accord. Ah oui, donc il y a quand même pas mal de mines dans le coin. Ouais, par exemple ici on pourrait foutre un bâtiment de... Allez hop, on va le faire. Comme ça ici on foutra un bâtiment de... Un de ces bâtiments là, je pense. Ça nous fera des unités recrutables en plus, parce qu'à l'étendue des espoirs que je me rappelle, il n'y a pas de bâtiment particulier. Du coup voilà, ok. Donc bah du coup on va pouvoir finir ce tour aussi. Alors on va voir avec lui là. Du coup, est-ce que j'ai un accès militaire avec lui? Accès militaire, oui, il m'a donné l'accès militaire. Donc ça c'est parfait. Voilà, parce que dans deux tours, ce monsieur va commencer à se déplacer vers le palais du calife et compagnie. Et ici, pareil. Du coup. On finit le tour. Et on va voir ce que ça va donner. Donc Exoatl, tous ces gens qu'on connaît pas et dont on se moque. Ah, mince, du coup j'ai pas vu ce qu'a fait Nagash. Ok, bon bah c'est pas grave. Du coup on va voir ce que vont faire eux. Alors eux ils se mobilisent contre eux, mais j'ai pas tout compris en fait. Mais bon c'est pas plus ennuyeux que ça. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Un pacte de non-agression. Non, j'ai pas envie de faire des pactes avec toi. Parce que je vais peut-être me retourner sur toi, donc ça serait triste. Un de nos prêtres liches a osé nous faire part de ses inquiétudes concernant un des nécrosphinx. Celui-ci ne serait plus contrôlé par l'âme de nos guerriers, mais sous l'influence du sec, le dieu de la destruction enterré dans le désert. Devons-nous le détruire au risque de provoquer sa colère infinie? Putain, moins 10 pour les monstres. Ouais, non, mais tant pis, débarrassez-vous-en. Du coup, ici, ce monsieur continue à recruter. On n'a toujours pas d'emplacement de recrutement dispo. Ah bah oui, non, logique. Logique, puisque ce monsieur recrute à plein tube turbo. Donc, pour le moment, bah d'ailleurs, voilà, j'ai rien à faire, hein, il me le dit. Hein. Voilà, où je peux pour ainsi dire finir mon tour tout de suite.
Zandry, on peut faire quoi? Zandry, non mais on va pas faire ça à Zandry. D'ailleurs, ce bâtiment-là, on pourrait presque le détruire maintenant, on n'en a plus besoin. Puisqu'ici, on est au maximum. Donc, ça donne quoi? Ah, taux de reconstitution des victimes et intégrité, on va peut-être le garder encore un petit peu. Gorgazan, on n'a pas besoin de faire grand chose. Et intégrité plus 3. Ça pourrait être utile. Après, ça coûte quand même relativement cher. Et je préfère économiser pour faire ce genre de bâtiment. Donc on va attendre. Du coup. Du coup, ben, on va finir le tour ici. Voilà. On va laisser passer. Donc, les peaux vertes nous intéressent assez moyennement, puisqu'ils sont plutôt en guerre au nord, eux. Une wag de la lune crochue à pop. Qu'est-ce que c'est chiant, ces wags. Et donc eux vont se diriger sur le lieu que je leur ai demandé d'attaquer. Et voilà. Ok. Donc plus de trésorerie, plus de vase canap. J'avoue qu'en ce moment je cracherai pas sur de la trésorerie, donc mais je cracherai pas non plus sur des vases canap. Mais bon, on va prendre la trésorerie. Voilà, donc très obtenu architecte pour Cetra, donc ça va nous coûter moins cher de faire des bâtiments dans la province où il est. Et du coup, ici, non, je peux pas. On verra. Terre des morts, ici, c'est non. Dans les terres arides du sud, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Alors ça ferait quoi, ça? Citadelle de Nehekara. Commandement, moins 5 en assiégeant. Armée ennemie, taux de reconstitution plus 3, munitions plus 50 durant les sièges, expérience plus 1 toutes les recrues, capacité de recrutement local plus 1. Ça c'est quoi, hein? Vascanop généré, 1, ordre public, plus 2, rendu seigneur recruté, plus 2, rendu héros recruté, plus 2, intégrité des provinces adjacentes, plus 2. J'avoue que ça pourrait être intéressant aussi. Voilà, c'est ici. Donc soit on refait un bâtiment de... de scorpion. Mais j'ai déjà un bâtiment de scorpion, donc on va peut-être... on va peut-être pas faire ça. Par contre, on va faire ça. C'est sûr. Et on va garder, je pense, le reste de notre trésorerie, parce que après, ben, ça sera ça, mais ça sera pas avant 8 tours.
La terre des morts. Non, parce que ça on va le virer pour mettre une... Et le grand désert, ça me tente pas trop. C'est le moyen. Ça, j'en ai déjà beaucoup. Donc non, on va juste garder le reste de notre trésorerie pour le moment. Hein. Voilà. Ce monsieur-là, lui, est prêt à se déplacer. Donc, on va s'avancer vers le mont Vautour. Qu'est-ce qu'on a ici? Le truc du calife. Ouais, grosse garnison. Ici, ce monsieur en est où? Ici, ce monsieur va pouvoir recruter. Un nécro-sphinx. Ouh. Donc tout ça, je peux pas recruter, je suis déjà à fond dessus. Donc il va nous falloir... Donc il va nous falloir... Ah oui, non, c'est égal, là, je suis déjà au max. Donc je peux reprendre un Ushapti, visiblement. Et par contre, les Ushapti à grands arcs, j'y ai pas encore accès. Bah non, le bâtiment doit pas être encore fini, Ben. Donc du coup tu vas te prendre une bonne poignée d'archers avec ce gars-là. Voilà, on va reprendre une poignée de ces gars-là aussi. D'ailleurs en fait, tu dégages ce gars-là d'ici et puis tu le prends ici, ça change pas grand-chose. Et comme ça, en un tour, on a recruté tout ceci. Et donc on passera à 14. Du coup on pourrait lui donner une unité de Ushapti, une unité de grand sphinx. Et voilà. Voilà, on passe à 16, je peux toujours pas recruter d'agent hein, au prochain tour. Hein. Ce qui me perturbe violemment en fait. Je suis sûr que c'est parce que mon premier. Le premier agent qui m'a été offert là, il s'est fait buter comme un con. Ou j'ai raté une mission ou je sais pas. Mais pour le moment. Pour le moment, voilà. Donc, on avait dit qu'on allait garder notre trésorerie. On va mettre fin à l'épisode ici. Voilà, et puis... Au prochain tour, je pense qu'on va commencer à assiéger... Du moins, aller piller ce monsieur. Et puis, peut-être s'attaquer à l'île des sorcières. Histoire de lui plomber son économie. L'attaquer sur la chic si eux se plantent pas. Oh, normalement c'est à la chic que je les avais envoyés. Hein. On va vérifier ça vite fait. Avant de mettre fin à l'épisode. Donc du coup eux c'est bien la chic que je les ai envoyés attaquer. Hein. Et eux c'est le palais du calife. À mon avis, ils vont se prendre une dégelée. Hein. Il y a peu de chances qu'ils arrivent à le conquérir. Par contre, si on a la chance d'arriver en même temps qu'eux, on pourra peut-être faire quelque chose.
Voilà, donc du coup, eh bien, vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. Allez, gros bisous à tous et à bientôt.